à tous et à toutes. Nous sommes le mardi 20 décembre. Excusez-moi, mardi 20 décembre, ça passe tellement vite. C'est la Saint-Abraham et c'est la Saint-Théophile. Voilà, donc bonne fête à tous les Théophiles et les Abrahams qui pourraient nous écouter. J'écris tout ce que... Voilà, pour pas oublier. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête. Et nous allons voir quelles vont être les énergies, les vibrations pour cette journée du mardi 20 décembre. Mardi 20 décembre. Alors, mardi 20 décembre, quelles sont les énergies pour ce mardi 20 décembre? Quelles sont les informations qu'on peut avoir pour cette journée du mardi 20 décembre? Allez, voyons voir. Alors, timidité, silence, ok, on va voir ce qu'il y a. Désert, malchance. Héritage, santé, énergie, ok, des choix, des décisions à prendre et un labyrinthe. Ok, alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est, alors toujours pareil, j'ai pas le mot, alors la malchance, c'est quelque chose qui est là qui me parle pas, donc je vais rechoisir désert, un peu comme hier. Déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est que vous avez donc des décisions à prendre et que vous êtes peut-être pour certains un petit peu perdu. Un petit peu perdu parce que vous ne savez pas trop, je dirais, sur quel pied danser. C'est ce qui me fait penser au désert. C'est que je pense que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre les décisions que vous souhaitez. Alors, c'est peut-être des décisions familiales, hein, puisque j'ai quand même l'héritage. On voit qu'il y a quand même des secrets peut-être de famille. On ne vous dit pas tout. Et puis, ce côté de santé et énergie, ça concerne peut-être un de vos proches, mais ça concerne également l'énergie qui tourne autour de la décision à prendre. A priori, ce n'est pas, vous n'êtes pas nécessairement bien entouré, peut-être quelques énergies dites toxiques. Or, c'est vous qui devez prendre un choix, quel que soit le choix à prendre, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, familial, on vous voit devoir prendre une décision, mais cette décision, on vous voit bien complètement perdu, ne sachant pas comment prendre cette décision. Alors, on vous dit suivez vos ressentis, suivez votre intuition. On me dit également de ne pas dévoiler votre décision tout de suite, hein, c'est vraiment laisser passer du temps si nécessaire. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Dans ce cas précis, vous allez prendre la décision la mieux adaptée à la situation que vous vivez. On nous dit avec Pertro qu'on fait un plan de l'âme, hein, solidité, révélation, projet. Donc pour moi, c'est quand même extrêmement positif. Ça veut dire qu'effectivement, vous allez donner la bonne réponse, donc prendre la bonne décision. On voit également avec la révélation que, comme je disais, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir attendre avant de révéler la décision que vous allez prendre. En tous les cas, on sent que cette décision, elle est, c'est qu'elle de le dire, décisive pour votre avenir et elle restera, je dirais, sur de très bonnes énergies. Donc, avec l'héritage, j'ai presque envie de vous dire, pour certains, c'est la signature d'un contrat, c'est quelque chose qui me parle, quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant et quelque chose qui va être vraiment dans la même énergie. Donc, pas d'inquiétude, pas de souci pour moi, bien au contraire, vous allez être dans une très belle énergie. Donc, prenez la décision tranquillement, calmement, elle sera de toute façon la bonne décision pour la situation dans laquelle vous serez. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à demain matin, à bientôt, au revoir.